Salut tout Senaiden, on se retrouve pour Dragon Age Inquisition. Vous avez vu aujourd'hui, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on voit ma tronche. Alors j'espère que vous apprécierez toujours autant. Et on va continuer donc dans notre aventure. C'est parti! Donc, souvenez-vous, j'étais à la porte du Ponant et je m'étais rendu compte, évidemment, que c'était pas du tout la trame principale en fait. J'étais déjà parti dans une quête annexe, une zone annexe, donc je me suis empressé de revenir. Sur ces Voilà, donc on est au boss créé. Voilà, souvenez-vous, on peut voir la carte, la truc des cartes, des quêtes. J'étais arrivé ici, souvenez-vous, à la porte nord. J'avais pris ce campement. J'avais pris la décision de descendre, prendre le campement ici pour être tranquille tout de suite. J'ai fait pas mal de missions dans la zone et maintenant je dois aller chercher ce fort pour bloquer le barrage, pour vider le lac et aller enlever la porte des ennemis, on va dire ça comme ça, le cristal des ennemis parce qu'il pop dans le lac. Donc je dois l'assécher. Et c'est reparti. Cette porte est toujours fermée, évidemment, on n'entendait pas moins d'eux. Bon, toujours aller chercher des elfes idées. Ah, j'en ai 30. Il me reste une source noire et une carrière. Donc, pour terminer cette quête qui s'intitule L'eau qui dort. Nouveau. Attendez, voilà, ça commence bien déjà. J'ai ma batterie qui est faible. Heureusement, c'est quand même pratique de tout avoir à disposition. Alors, on va voir ici ces docks. Je n'y étais pas encore allé. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ou de spécial? Ah, rien du tout. Du bois. Du bois. Un campement vide. À examiner. Peut-être pas en fait. Il y a peut-être quelque chose. Là, il y a de quoi fouiller. Voilà. On va regarder la carte. Donc on est bien dans la bonne direction. Évidemment. Alors ça va être chaud parce que est-ce que je prends la route ou est-ce que je ne prends pas la route pour gagner du temps? Ça va être autre chose. Herbe en fuseau, je vais les prendre quand même. Ah ouais, bon ben voilà, vous voyez, c'est pour une quête aussi ici. Ah, il y a eu des combats ici. Fouiller. Un peu d'or, ça fait pas de mal. 120 pièces d'or quand même. Hein. C'est pas négligeable hein, au final. Ah, ici on a une caverne qui est très certainement fermée. Bref. Voilà. Bon, eh ben c'était l'autre côté. Hein. Vous voyez, le fort doit être revendiqué, donc pour le moment, on ne peut rien faire. Faut rebrousser chemin. Là, herbe en fuseau. Lol, on a même dans l'eau, c'est une blague. Et je vais crever, moi. Hop, voilà. Faut du lot du sanguin. Bon, je vais passer. Ah ben voilà. On est au pied du fort. Je pensais pas être si proche en fait. Sérieux quoi? Lol, je dois taper dans la porte.
Bah, c'est une blague, elle est en carton cette porte. Bon, celle-là, on me l'avait jamais faite. Taper une porte, mais alors en trois coups, elle est out. Mais regardez, même les mobs sont plus résistants. Oh là là, oh là là, je prends trop cher. Oh lol, je suis mort. Bon. Alright, nice. Allez. Hydre, voilà. On va reprendre Hydre. On va taper dessus, hein, parce que là. Je vais prendre Cassandra. Je l'aime. Non, c'est pas Cassandra. Oh, j'ai des grappes. Ça, c'est de toute beauté. Bon, cher, lui. En même temps, on est à 4 contre 1. Samy, monter, non, il va pas monter encore. J'appelle ça un petit fortin, moi. Mais c'est quand même bizarre qu'on puisse l'assiéger aussi facilement. Enfin, je vais pas me plaindre, mais je trouve ça vraiment bizarre. Boum, allez hop. On va avancer. Et on va à réclamer ce fort. Bon, mon avis, il y aura, voilà. Évidemment, il y aura d'autres ennemis. Ça, c'était une certitude. Oh, donc, c'est Cassandra qui a la... qui a le crap. Hop là, voilà. Est-ce possible que j'ai vu 32? Parce que si c'est ça, il est grand temps de lui changer son arme à elle. Hop, et voilà. Putain, elle grappe ici. Oh là, j'ai un dead déjà. Elle est où? Quand tout va mal, il faut savoir utiliser la rage qui est en soi. Voilà. Oh là là, je prends trop cher aussi, moi. Voilà, on va faire ça parce que là aussi. Ok, bon, ben, ça c'est fait. Prenez le fort pour accéder au barrage. Donc nous on est dans le fort. Il va falloir que je monte encore, à mon avis, là-dessus sur les remparts. Pourquoi? C'est une bonne question. Mais voilà, je dois le faire. Bloquer-les, avancer. Il est où le chef? Ok. Bon. Eh ben, on va monter, hein. Direction les remparts. Il y a du monde. Là. Vas-y, attaque. C'est tellement facile. Et bim, au sol, voilà. Reste à terre. Et reste à terre, comme dirait dans le réel. Ouf, là, il y a du monde. Bon, alors on va tous faire le même. Ce qui va réduire le temps de combat fortement. Si on assiste, tous le même. Au sol, voilà. On va lui remettre une popo, elle, parce que... Et...
évidemment tous celui-ci. Je verrai ce qu'à Sandra. C'est un sacré morceau, hein, celui-là. Voilà, fouillé. Ouais, là je me suis fait avoir comme un franchise. Je vais réussir à Cassandra. Alors on a besoin. Et l'autre aussi. Serra, voilà ma petite Serra. Oh là 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 là. Oh là là. Wow, je m'en doutais, j'allais me mettre un coup, mais alors fais maison comme on dit chez nous. Voilà, c'est déjà ça. Cool, le tourelle. Yo! Un sacré morceau le gaillard. Hein. Punaise, je vais l'avoir, mais ça va pas jouer de beaucoup. Hein. Voilà. Il grappe pas. Il va nous mettre la misère là. Oui, c'est à cause de son humide. Hein. Il fait mal. Hein. Ah, de foutre les mecs. J'ai jamais vu ça, quoi. Aïe, 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 aïe. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Moi, je m'en fous. Si j'ai la solution, c'est que je le kite. Hein. Bon, ça devrait le faire. Et vas-y, crève. Oh là là. C'est un truc de fou. Voilà, on va le fouiller. Ultime maraude. Alors là, je pense que j'ai une paire de guerriers qui pourraient être très intéressés, évidemment. Arme. Donc c'est bien sûr Hildr et... Oh oui. Et Cassandra. Cassandra. Je vais la mettre à Cassandra parce qu'effectivement... Elle manquait un peu de DPS, la malheureuse. Voilà. Où je sais faire passer les besoins de mon groupe avant les miens, évidemment. Et voilà, je vais pouvoir réclamer. J'espère en tout cas que vous suivez cette session et que vous suivez. De prendre ce fort évidemment. Voilà. Voilà, Kaer Brodak. Oh, ça nous fait pas mal de trucs. Ouais. J'allais dire on va se reposer, mais c'était un peu stupide. J'ai plus de. J'ai toute ma vie. Alors, j'ai Charter ici. Qu'est-ce qu'il me veut, Charter?
trouver une porte qui mène au barrage, ok. Je peux acheter et vendre ici. Je vais regarder ce qu'il me propose en armes. C'est quoi sa flèche de soie? Wow, 1700 quand même. J'ai pas de niveau, évidemment. Alors ici, marchand, que veut-il? Il veut rien du tout. Peut-être que si en fait. Peut-être que si. Alors qu'est-ce que tu veux toi? Au revoir, en fait rien du tout. Je vais pas mener l'enquête, je vais perdre trop de temps avec ces bêtises-là. Par contre, j'ai un point d'interrogation et ça m'inquiète. Ce serait là. Allez, bouge-toi, autiste. Elle. Non. Bon. Bah écoutez, c'est déjà ça, on a déjà. Voilà, on a déjà capturé le fort. Donc maintenant, je pense que la prochaine étape. Attendez, qu'est-ce qu'il veut ici? Parce que je vois qu'il y a une quête ici. Trouver une porte. Ouais, bon, ça jusque-là je peux le faire. Carbonac, ok. Site découvert. Bon, faudra encore que je découvre un site évidemment. Bon, c'est cette porte-ci qui mène vers le barrage. On va pouvoir donc régler ce petit problème de bébête inaccessible. Vous voyez? Dans l'eau, il y a des bulles vertes là-bas. Je suppose que ça doit être par là. Regardez au fond là. Je suppose que c'est là-bas notre plus gros problème. Est-ce que c'est pour ça qu'il faille fermer ou ouvrir le barrage? C'est comme vous voulez. Alors, vieux Bruce, j'y étais. Je n'ai plus besoin d'y aller. On va se diriger donc vers notre quête. Voilà. Entrée dans la taverne. Découverte le corps rouillé. Ok, bon, une taverne. Le villageois, non, il va rien m'apprendre. Là, par contre, je peux sortir par ici. Voilà. Et je peux pousser le mécanisme. Voilà. En tout cas, je sauverai de nombreuses âmes aujourd'hui. Retrouver, ok. Bon, regardez, hop là, c'est parti. Évacuation de l'eau dans la vallée. Trouver l'entrée des grottes, c'est ce que j'avais trouvé tantôt, je crois. Peut-être que je me trompe, mais il y a de fortes chances que ce soit ça. Hop. Bon, on va de. Ouais, ça va être sympathique, quoi. On va repasser de l'autre côté du flanc de la montagne. Ce qui est pas souvent. Ce qui est pas souvent, je vais dire. Facile à faire pour moi. Une faille, ok. Parce que là, c'est bon. Pas du tout, en fait. Ok, non, c'était pas du tout ici. Je voyais ça plus ici, voilà, vers la porte rouillée, en fait. C'est peut-être une entrée annexe aussi, hein. Tant que je suis là, je vais peut-être me diriger vers cette faille. Oh, ça c'était une mauvaise idée, ça. Ouais, bon, bah, que Dieu bénisse mon âme. Ah, j'aurais voulu aller arriver sur le bord. Oh, je suis pas mort. Ah, évidemment. Je vais lui mettre une popo, hein, du coup, j'ai plus le choix. Étant donné que j'ai fait le mongol. Hein, mais encore une fois, on a gagné énormément de temps. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Gagner du temps ou alors utiliser une popo? À vous de choisir. Baston. Tac, au sol. Tourbilol. Non, c'est pas lui. Et. Bim. Allez hop. Rentre chez papa. Ah, je vais perturber la faille un petit peu. Histoire de dire de ramener le combat qui soit un peu plus palpitant. Ah, dommage. J'aurais voulu que ça pop en même temps, les amis. Bon, c'est raté.
Voilà, on a fini la quête, on va se diriger maintenant donc vers le qu'on a asséché grâce au barrage. Voilà, c'est parti. On va d'abord essayer de trouver l'entrée des grottes inondées et ce qui nous amènera à trouver les corps dans la vallée. Je vais équiper des potions. Bon, c'est fait, je vois que c'est correct encore. Ah, une elfidée, juste à côté de la ville. Voilà, encore une fois, on va faire le franjo, mais ça va nous faire gagner énormément de temps. Alors, faut que je trouve l'entrée. Évidemment, l'entrée. Je pense que ça va se trouver là où nous étions tantôt, la porte fermée. Mais j'ai un gros doute quand même. Je vais profiter d'aller voir dans le coffre du maire tant qu'il n'est pas là. Il y avait une porte fermée tantôt. Où est-elle? Ça, c'est. Il y a quelque chose là. Un être. Un esprit. Est-il dangereux? Bon bah au revoir. Écoute, il va rien savoir me donner comme avancée dans l'histoire. Autant ne pas perdre son temps avec lui. Ah oui, effectivement, évidemment. J'ai du matériel, mais j'ai plus de place dans le matériel. On va aller voir dans l'inventaire donc. Qu'est-ce que je peux jeter? C'est toujours le problème. J'aurais dû aller vendre mon matériel tantôt. J'aurais dû aller vendre mon matériel tantôt. Pour